Salut tout le monde, c'est Lexi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite de la carrière avec Tony, Gon avec Tony Gonzalez, pardon le petit bug. Euh, donc voilà, on va continuer aujourd'hui. Donc on va jouer contre les Saints. Ah non non non, on avait déjà joué contre les Saints. Pardonnez-moi. Donc on va avancer la week. On sera en week numéro 7 pour ce nouvel épisode. On va essayer de faire peut-être trois matchs. Sur cet épisode. On jouera contre les titans. Donc pour l'instant, on est toujours invaincu. Premier de la division. On a les Panthers derrière qui sont chauds. Hein, 4-1. Euh, nous on a 6-0 pour l'instant. Tout roule comme sur des roulettes. Et, euh, et puis euh, faut qu'on continue sur cette lancée avec notre Tyden Qui a des stats absolument magnifiques pour le moment. Euh, voilà, notre petit Tony Gonzalez. En même temps, c'est Tony Gonzalez. Donc voilà, ça pèse un peu. Ce que je vais essayer de faire, je pense, pour chaque match, c'est peut-être changer les playbooks. Pour voir ce qu'on peut faire avec nos titans, peut-être différents tracés autre chose proposé par le coach. Donc euh, on verra bien. Alors je suis bientôt aux 50 catch qui me donnerait 800 d'XP. Euh, 12 season reception touchdown, je suis à 75%. 1000 euh, season reception euh, yard, je suis à 70%. Et 60 season catch, 66%. Quand on aura atteint les, 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 les 60 catchs, on, on gagnera 4000 d'XP. Euh, il, il nous le faut. Il nous le faut pour l'instant on est à 81 overall 99 de confidence. Donc euh, on, est, on est pas mal, on va dire, on est pas mal, on, on fait le taf. Euh, Matt Ryan aime bien nous lancer des petites balles dans le deep et ça c'est bien sympathique. On a fait quelques bons catchs pour l'instant cette saison. Euh, on fait le show. On fait le show. Euh, voilà, les, les, les nanas jettent leur strain. Les mecs se foutent en cal slip. En Enlève leur t-shirt C'est énorme Alors Kendall Wright Bon tu, tu pues la merde voilà, Même Rulio est meilleur que toi Alors j'aimerais mieux Rulio Que tu sois aussi bon dans ma carrière avec euh, Dans ma carrière défensive avec Ricardo Allen Parce que là ça a plu, hein, La carrière défensive avec Ricardo Allen On est dans le mal <laughs> ouais, On a le seum un peu On a le seum un peu On se fait un peu enculer Mais c'est pas grave C'est toujours un peu plus dur de jouer une carrière en défense Vous contrôlez moins de choses alors commençons sur du bloc basique. Hein ah bah je l'ai fait un bon bloc, je suis content. Ah je suis content de mon bloc. Petit bloc sympathique. Alors on va faire une in qui est lancée très rapidement par Ryan. Il m'a vu que j'étais direct libre. C'est lancé de l'autre côté. Ça doit être sur Freeman, ça non Qui avait un petit tracé. Ah, c'est sur Tevin Coleman. La rapidité. Je vais essayer de bien faire mon tracé. Je vous prédis rien. Oh la oh la, Ryan C'est mal lancé ça. Après mon tracé, en fait, j'aurais dû le faire plus court. Mais le truc, en fait, c'est que le joueur m'a poussé et j'ai pas eu le temps de faire mon cut. Ça marchait pas. Donc, euh, le, les boules un peu. Ah, malheureusement. Le line qui n'a pas été assez rapide et qui n'a pas pu prendre le bloc. Freeman qui s'est fait plaquer. On sera tout de même en troisième et neuf. C'est le moment de faire un bon tracé. Ok, les deux pieds sont dedans. C'est chaud. En fait, dû sur... en fait, ce qu'il faut quand vous êtes près de la touche comme ça, appuyer sur X pour faire un catch à l'intérieur du terrain. Pour que votre joueur mette les deux pieds, sinon ça ne marchera pas. Et là j'ai pas fait X, j'ai fait triangle, je me suis trompé de touche. Donc euh, voilà, il a pas fait une animation pour mettre les deux pieds à l'intérieur. Ça aurait pu être risqué. Ok, bien vu Ryan. a gagné 6 yards là-dessus. Ah, oh, j'étais tout seul, c'est dommage. Malheureusement, il a une nouvelle fois été saqué. Il y a possibilité que ce soit une cover 2, donc je peux me retrouver tout seul. Allez, Rulio yes, le bloc qui permet à Rulio de prendre le first. Nickel ça, bon travail d'équipe. Alors une nouvelle corner là pour nous. Oh j'étais tout seul une nouvelle fois Ryan tu te précipite un peu trop. Après ouais, on, on a vu que pour l'instant depuis le début du match il avait beaucoup de pression. 6 à 3 pour les titans. On est sur nos 45 c'est faisable. Où ça joue long. Et c'est intercepté par les titans. Peut-être un peu trop de précipitation euh, de la part de Ryan. Allez, on va essayer d'attaquer le milieu de terrain sur la cime. Espérons une cover 2 en face. Ça a l'air d'être de la man. Non, de la cover 2. Et une nouvelle interception. Pour Ryan. Troisième interception du match. Et j'ai pas pu faire grand-chose. Mon receveur, en fait, euh, appuyé sur Triangle qui a pas sauté. Je sais pas si la balle était peut-être trop lancée trop loin par Ryan ou, ou quoi, mais. Et là on se retrouve à 13 points d'écart Va falloir marquer 2 touchdowns J'espère qu'elle va passer Ah oh, Ryan lance la plus tôt Lance la plutôt. Il me la lance en fait au moment où le linebacker revient sur moi Au moment où j'arrive dans sa zone Ah c'est... Là c'est un peu le match, le match creux On se crée pas d'occasion C'est vraiment pas ouf Ok j'ai sécurisé ma balle Bien joué Ryan Il y a vraiment... Moyen de les choper euh, dans, le, dans le fond du terrain comme ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Oh, c'était chaud. Putain, j'étais là chercher celle-là. Donc j'étais pas libre sur ma hook. Généralement, quand vous êtes pas libre sur des hooks comme ça, vous partez en tracé un peu improvisé. Oui 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 bout des doigts. Ah j'avais vu la cover 2, je me suis dit allez je me mets la petite euh, la petite euh, fade. Si Ryan il me voit ça peut vraiment être bon. Et là il m'a vu. Allez on vient à 14 points. Si la défense tient il y a encore moyen. Il y a vraiment encore moyen. Ça sera un putain de comeback si jamais on revient. Let's go. Oh oh oui oh oui oh oui oui. Yes! Oh putain, le, le match de ouf! Arayen, il a compris là. Il a compris qu'on était, on était dans notre grand jour. Et qu'il fallait qu'il nous, qu nous lance la balle là. qui peut faire des bons matchs et des fois il se chie complètement. Après, ouais, ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs. J'ai essayé de redresser. Bon, au moins je sors en touche. Ça arrête le temps. Alors là, on est sur des grosses, grosses stats. Hein. <laughs> Franchement, on fait un match de ouf là. Avec beaucoup de big play de notre part. Ah putain en plus on a la remplaçant, c'est même pas Julio Jones, c'est Hardy qui est sur le terrain. Oh oui Oui Kevin Yes Tevin Coleman qui marque Bon il reste 6 secondes Alors en gros ce qu'il faut c'est qu'on recouvre l'unside, qu'on fasse une ailmerie et qu'on marque. Euh, franchement ça relève de l'impossible mais sait-on jamais, sait-on jamais Ah putain ce serait chaud. Ah c'est chaud cette fin de match. Bon on est revenu un peu 27-24, 3 points d'écart, putain, 3 points d'écart, 3 petits points. Allez, je crois que je l'ai mal, mal tiré. Ah putain, fuck. Bon, c'est la fin du match. Fin du match défaite qui fait mal 27-24. Euh, voilà, on se sera un peu trop endormi avec un Ryan euh, peu soporifique en début de match. Une nouvelle fois un gros match de notre part. Hein. Je m'attendais vraiment pas à faire une aussi bonne saison avec Montaeden euh, Ryan qui arrive quand même à nous trouver. On arrive quand même à faire des, des plays assez spectaculaires à chaque match. Malheureusement, bah, sur ce match, ça suffira pas. Euh, on marque deux touchdowns down sur, euh, sur les trois lancés par Ryan. Euh, bon, dommage, dommage. En tout cas, je pense qu'on a des grosses grosses stats sur ce match. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on est à 9 réceptions, 191 yards, 2 touchdowns, c'est juste énorme, Gros Kiki on est au-dessus de toi, pour les fans de Gros Kiki on est au-dessus, je suis désolé, euh, ouais, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, Gros Kiki, gros Kiki pour moi c'est Gronkowski, voilà, non mais il est, il, il est en dessous de nous, hein. il voilà. n'y a, a pas à dire, il n'y a pas à, à polémiquer, polémiquer, polémique, poli... C'est polémique donc. Polémiqué. Putain c'est chaud. Oh c'est chaud. <laughs> oh c'est chaud. Ok bon. Défaite. Dommage. Ok c'est parti pour le match contre les Bucks. Euh, les Buccaniers qui sont à 1-5. Donc vraiment si on perd contre eux c'est... Déjà dans la carrière avec Ricardo Allen j'ai perdu contre eux. Alors aujourd'hui on va, on va tester un playbook au hasard. Donc je vais fermer les yeux. Puis bon, on dira stop au bout d'un moment. Stop. Ok on sera en run balance. Euh, voilà playbook basique on va dire euh, on essaiera on verra s'il y a des bons tracés pour le tight end ça changera un peu en fait parce que voilà généralement le coach en fait vous euh, vous donne généralement à peu près les mêmes tactiques tout le temps euh, là ça nous permettra de changer et d'avoir d'autres tracés ça pourrait être plus sympa donc je pense qu'on va on va sortir une saison à plus de 100 catch hein, au calme euh, pourtant je suis en all pro hein, les défenses qui sont vraiment pas terribles putain Ryan qui est premier en passing yards de la ligue ça fait, ça fait plaisir il fait le taf Alors est-ce qu'on peut établir du jeu à la course aujourd'hui Oh oui bah oui bah bon bloc là Bon bloc de ma part on va gagner 7 yards euh, via Devonte Freeman euh, ok donc on va avoir une wheel trace assez chiant à faire pour moi ah, Ryan euh, ça va pas hein il y a un petit problème là, il y a un petit problème, soit de communication, soit de lecture, je sais pas, sûrement de lecture. Oui, c'est bien bloqué. Bah oui, excellent, excellent là-dessus, nice. On a eu cette quatrième. Ok, on n'est pas sur la plaie. Allez Ryan, la fais-nous, fais-nous de la magie. Si tu peux scorer, ce serait cool. Mal lancé, Rulio qui a quand même essayé de plonger pour l'avoir. Allez, Ace Post, donc on a deux posts sur les extérieurs, nous on fera des flats. Et on peut être libre. Allez, check nous bien, Ryan. Quoique non, ça a l'air d'être de la manne, même pas. Oh là là, alors est-ce qu'on peut le rattraper Ça m'a l'air tendu. Si peut-être, on est en train de le rattraper, on est en train de le rattraper. Ryan, tu vas nous faire perdre un deuxième match. C'était vraiment pas la bonne lecture là. En fait, une nouvelle fois, je m'attends pas à la, à la voir. Et, et c'est tragique. Putain, on a, on a récupéré la balle sur un, un fumble ou une interception. On s'est pris zéro point. Nickel, ça. Bon travail de la défense qui nous rattrape le coup. Ok, le petit juke move intérieur pour pas sortir. Allez, là, normalement, ça bloque tranquillou. Ah, voilà Putain, là, il nous fait un bon match, Freeman. On va peut-être s'appuyer un peu plus sur lui, sur ce match. Allez. Allez, Tony. On va essayer d'aller bloquer pour toi. Oui, le petit bloc qui permet de gagner quelques yards en plus à Rulio. Allez, lance une sim, s'il te plaît. Ryan, là, ça devrait pouvoir le faire. Ah, dommage. Oui, oui ah Hardy qui mettra pas ses deux pieds à l'intérieur du terrain, là, je suis pas sûr qu'il les ait, j'ai l'impression qu'il les a mis, alors est-ce qu'il va y avoir, oui il va y avoir un boot review, on va regarder ça attentivement parce que s'il la catch c'est un énorme catch de la part d'Hardy, donc là on voit pas grand chose, oh là non plus il y aura le poteau, ouais non il les a pas, il les a pas pour moi, donc là s'il nous donne le down, c'est vraiment du vol. Ok, donc il n'y a vraiment pas Bien joué, les arbitres. Bon call. Ouh, allez, la petite team. On l'aime, cette team. Vous savez qu'on l'aime. Vous savez qu'on l'aime. Ryan aime bien nous la lancer depuis le début de la saison. C'est lancé dans, dans le deep et c'est catché. Est-ce qu'on peut revoir au ralenti, Tocjand Donc, Carson, il a l'air très beau. C'est une passe lobée. Attendez. Ok, c'est sur une corner. D'accord, il s'est juste imposé dans les airs. Il s'est mis devant Banks. Banks qui a vraiment rien pu faire, qui a sauté plus haut. Nickel, petit token down. A la passe. Allez, la flat. Là, tu peux me la lancer, Ryan. Plus maintenant, mais... Ouh, c'était chaud. Je m'attendais vraiment pas à la voir. Je, je me suis dit, bon, je vais remonter, je vais essayer d'être libre. Vu que la flat était prête au final. Moi, je vais me mettre ce petit tracé là. Oui Good job C'est ça Ryan Alors je m'attendais vraiment pas à la voir, je pensais vraiment pas être libre là-dessus. Finalement dans. Sur le côté de la end zone, j'ai réussi à me... à me démarquer. Très bon travail, très bonne lecture de Ryan. Il se réveille, il se réveille. Ha What the fuck J'ai complètement raté mon mon kick là. Putain n'importe quoi, je suis trop con. Ok c'est parti pour la petite in. Ouh, c'est lancé rapidement par Alan et c'est bien catché par nous-mêmes. Oh, très bien vu ça. Sur Julio Allez, on a 8 yards. Allez, faut, qu faut bien qu'on bloque pour Freeman, les gens. Ouh, le... vous avez vu ce double cut que je viens de faire Est-ce que vous avez vu ce double cut Deux pour le prix d'un. Énorme bloc de ma part. Oh, ça, je le mettrai en petit highlight de fin d'année. On mettra pas que des réceptions, on mettra des blocs aussi parce que Tiden, c'est c'est pas que faire euh, des réceptions. Oh, il est magnifique ce cut, regardez. Allez hop, <laughs> à plus. Après c'est dommage, Oh putain j'aurais pu avoir le, le troisième là. Freeman avait euh, champ libre et c'était une putain d'action de ma part. Bon là déjà c'est une putain d'action hein, quand vous réussissez, à, vous, vous réussissez à neutraliser deux défenseurs en un bloc comme ça. Je suis arrivé, je me suis couché. Alors déjà, il y a le premier, bon, j'ai plongé dans sa jambe, il avait aucun moyen, il a quand même essayé avec ses mains de, de m'esquiver, mais ça n'a pas marché. Et le premier, c'est l'inventé David, qui a plein pleine balle et qui s'est pris mon casque, allez hop, le petit soleil, petit soleil des familles, oupsis Après dommage, bon Freeman aurait eu un petit trucking là, ça aurait été magnifique de conclure là-dessus, sur ce magnifique bloc. Allez on va faire une petite fullback, une... non pas de fullback Dave, allez Freeman, j'ai envie de t'offrir cet ED. Tu le mérites sur ce match. Allez hop, une nouvelle fois le petit cut pour neutraliser. Malheureusement, l'autre bloc qui n'est pas pris par mon, par mon compatriote. Allez, ah oui, nouveau cut réussi. Et Toxdown de Freeman, good job. 3-0. On aura complètement neutralisé les, la défense des Bucks. Puis même leur attaque, leur attaque sera complètement fait dominer par notre défense. Oh Oh oui Oh Freeman Oh Freeman, attendez, je vais essayer de faire un bloc pour lui. Oui Oh Oh non Je suis tellement dégoûté là-dessus Oh The course par, par Freeman. Attendez on va regarder le petit ralenti parce que... Je pensais avoir fait le, le bloc à la fin. Là le spin move qui enrume complètement le safety. Malheureusement bon il a pas la vitesse. Et là j'ai quand même essayé, vous avez vu, de venir. J'ai fait un petit bloc, mais ça n'a pas suffi. C'est... C'est qu'il le, le salaud de linebacker, c'est Connor qui vient plaquer Freeman dans sa course. C'est dommage. Bon, c'est la fin. Victoire 23-0. Une bonne victoire. Euh, bah on est toujours en tête. On a en quoi 7 victoires, une défaite. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, faut continuer comme ça après les playoffs. Après les playoffs, il faudra surtout pas perdre. Hein. Ce sera vraiment le, les moments cruciaux. Et, euh, et ensuite, bon, peut-être le Super Bowl. Pour Toniji, ce qui serait vraiment énorme... Ou ouais, j'arrive. Tu veux du riz ou pas Oui Pourquoi Parce on le, fait pas. Parfait, on le fait pas. Mais pourquoi on mange quoi avec farsi, euh, On va avec pas manger de... juste des tomates, si de, de Bah comme vous voulez. Hein du riz, pas la même. Ouais, bah non, bah non, du coup. En fait, là, il y a mon père qui m'a demandé si je voulais du riz, tu vois. Donc moi, je lui dis oui. Il me dit... Non, mais est-ce que tu veux du riz? Donc là, quand il te propose la question une deuxième fois, tu comprends qu'il a pas envie de faire du riz, tu vois. Il dit, il y a des tomates farcies. Il dit, oh, il y a la farce, il n'y a pas besoin de faire du riz. <laughs> Donc du coup, du coup, tu sais, tu as envie de lui dire, mais pourquoi tu poses la question? Tu me dis juste, on fait pas de riz, on mange que des tomates. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, enfin bref, <laughs> débarre, non? C'était marrant, enfin bref, ça me fait euh, alors attendez, on est, on est, on est, on est à 7-1. Premier, putain, les Panthers qui sont à 5-1 qui nous talonnent. Euh, qui nous talonne, ils vont peut-être être à 6-5 quand on va passer la week. Euh, on a combien d'XP 12 000 d'XP. Alors attendez, on va regarder un peu euh, ce qui pourrait être intéressant à dépenser. Donc là, on a dit on, on économisait pour le truc qui coûte la peau du cul. Là, c'est où Ah, bah ça coûte 16 000. Donc on va bientôt pouvoir l'acheter. Comme ça, on va pouvoir passer au moins en développement quick. Euh, ça nous permettra d'avoir euh, beaucoup plus de d'XP, il y a le clutch aussi qui peut être intéressant pour être, pour être bon dans les, les moments critiques ça vous augmente un peu vos stats dans les moments critiques fit in bounds ça peut être pas mal pour avoir les réceptions à l'intérieur du terrain pour l'instant on est en eau donc ça veut dire qu'on n'est pas très bon pour mettre nos pieds à l'intérieur du terrain euh, fight for yards c'est pour gagner des yards en plus c'est quoi j'ai envie d'acheter le fit in bounds maintenant euh, ça peut être vraiment intéressant pour les tracer euh, près de la touche style corner ou flat pour avoir, la, pour avoir la la balle à l'intérieur du terrain. Et sinon on va avoir, il y a le release qu'on pourra augmenter. Le spectacular catch. J'ai envie de grave l'augmenter pour pouvoir faire des catchs de bâtard à chaque fois. Euh, et le jumping pour pouvoir sauter au-dessus des gens. Vous savez que je suis quelqu'un. Je suis assez friand de ces choses-là. Donc de toute façon on aura un énorme bonus d'XP à la fin de la saison 1. Donc on peut peut-être attendre... Euh, on peut peut-être attendre, on achètera euh, tout ça plus tard. Bon bah c'est bien, c'est bien tout ça. Euh, on va juste avancer la week. Euh, prochaine week, on se raconte les 49ers Et là, ça y est, on est à la moitié de la saison. Euh, moitié de la saison. Euh, bon, ça fait un moment que j'ai pas fait, voilà, les épisodes de Tony Gonzalez et tout. j'ai vraiment beaucoup moins de temps en ce moment. Je vais essayer de vous les ressortir. Je vais essayer de faire un, un jour, un week-end, je pense, un, un gros tournage. Puis, voilà, faire tous les montages et peut-être vous mettre un épisode euh, toutes les semaines ou deux toutes les semaines, je sais pas. Hein. Euh, faut que je trouve un rythme pour les poster. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. <music>